Nous sommes mercredi 6 juillet. Nous avons passé un bivouac un peu mouvementé, beaucoup de vent, le hamac de Laurent qui descendait tout le temps. Pour finir, à 2h du matin, tout le monde debout. On refait le camp et on dort. Bonne journée à tous! J'avais tellement froid depuis que je me suis réveillée que je suis partie. Voilà, je descends ma petite doudou et je croise tout le monde. Ils sont tous en t-shirt pour me prendre pour une extraterrestre. Depuis un moment, et après je pense que quand on va arriver au bord de mer, ça changera. Mais nous sommes dans des vignes, ok? Elles ne sont pas plantées comme chez nous. Il y a des espèces de poteaux. Au départ, je pensais que c'était des vignobles pour des particuliers. Mais en fait, je m'aperçois que ce sont vraiment les vignes qui sont plantées de cette façon. Donc il y a des poteaux et elles sont en l'air de façon à ce que le raisin tombe par-dessous. I touched her skin, my fingers ran with blood. In the hushing dusk under a swollen silver moon. Hola. Là, c'est plus qu'un bus là. Comme partie de Santiago, il y a aussi énormément de cultures de maïs. Donc en fait, l'essentiel, c'est les vignes. Le maïs et les fruits. La hauteur de ces eucalyptus par rapport aux champs. Je reviens un petit peu sur l'histoire du hamac de cette nuit. En fait, moi j'avais très très froid. J'avais mis un fin duvet posé au-dessus d'une couverture de survie. Comme on avait prévu de prendre également nos matelas autogonflants, je l'ai mis sous moi, au-dessus de la couverture de survie, sans le gonfler. J'ai gagné vraiment beaucoup en température. Parce que pour ceux qui veulent bivouaquer en hamac, le hamac dans le dos, on a froid. Toi quand t'as un cœur,
la maya yelo. Wakantanka pila maya yelo. Wakantanka pila maya yelo. Là, on va monter un petit peu. Ou alors on va descendre. Bah moi j'ai envie de descendre. Ça monte trop là-bas. Plaisanterie. Mais là je le sens mieux quand même. De toute manière, si dans 2 ou 3 minutes on n'a pas vu de pèlerin, c'est qu'on s'est trompé de chemin. Pèlerin en vue. Là, le chemin est donc bon. Regardez le très très bel endroit où on aurait pu bivouaquer. Distance réglementaire entre les arbres pour poser un hamac. Arbre très solide, la nuit aurait été complète. Pas d'autoroute et un petit cours d'eau qui passe au bout. Donc c'est un pont romain. C'était sympa. C'est le petit restaurant où nous avons mangé ce midi. Quelque chose de tout simple, mais qui nous a bien remonté. Et l'énergie. Et le moral. Et là, aucun doute, nous reprenons bien le chemin. Face à nous, les pèlerins. J'adore ce pays de vignes. C'est vraiment magnifique. Regardez ce raisin. Ah, ah. Et voilà. Voilà, vous êtes la femme. Oui. Oh, bien sûr. Je suis l'artisan. Artisan de chemin. Oui. Ah, d'accord. Non. Seulement regardez. Regardez, ma, je suis la copine. Oui, c'est beau. Ma, c'est beau. Ma la copine. Oh. Pour vous et pour votre. Ah, oh, c'est beau ça. Oui. Et quoi que ça? This is 5 and 5. Let's do this.
Regardez qui m'attend bien gentiment. Ah quand même, je vais y attendre, je me refroidis là. Hein. Un peu d'ombre, ça fait du bien. Hein. Ah ouais. Il fait vraiment très très chaud. On marche encore une heure. Et ensuite, on essaye de trouver une petite alberge ce soir. Parce qu'on a tellement chaud qu'on aimerait se coucher. Après demain, on sera à la mer. On aura l'air frais de l'océan. Ce sera plus supportable. Enfin, du moins, on l'espère. Afin d'aider Gina et Françoise à récolter des fonds pour des enfants sans cancer, envoyez vos dons grâce au lien dans le descriptif.